je m'appelle Michaela et je viens d'être diplômée à l'école supérieure de saut ambulancier de Genève. Bonjour, je m'appelle Pierre et je viens d'être diplômée de l'école supérieure de saut ambulancier de Genève. Ce jeudi 7 juillet à 11h sur esamb.ch, je vous présenterai avec Pierre mon travail de diplôme en compagnie de ma collègue Michaela qui traite de l'échographie en préhospitalier. Je me réjouis de vous le présenter et de répondre à vos questions. À jeudi! En plus de ça, c'est un outil qui a plusieurs fonctions. Moi, je me suis beaucoup axée sur l'échographie pulmonaire, mais Pierre a été beaucoup plus large. Et enfin, on arrive à avoir un diagnostic en une seule image, de manière plus ou moins rapide. Pierre vous fera une démonstration juste après. Juste avant de commencer un petit peu à parler des résultats, je vais donner un petit peu le cadre de référence. En deux mots, comment fonctionne l'échographie ? Donc très basiquement, si vous voyez un peu comment fonctionne un sonar, avec une onde sonore qui est envoyée dans un milieu, et en fait quand elle va rencontrer un changement de milieu, elle va répercuter une partie des ondes sonores qui sont envoyées. Le sonar, il utilise des ondes particulières, pour l'échographie, on utilise des ultrasons, c'est pour ça que ce terme est utilisé aussi dans le travail de diplôme. Et donc en fait, en envoyant ces ondes sonores dans le corps du patient, ça nous permet de visualiser des structures à l'intérieur du corps, et puis ça nous donne une image, en tout cas dans le mode le plus courant d'échographie, qui sont des images en noir et blanc, comme vous pouvez le voir à l'écran. Quand on voit, tout en haut, vous avez le cœur, et puis en bas, vous pouvez voir, en cœur, c'est mon foie et mon rein. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas me dire. Le cœur aussi, d'ailleurs. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut... Ça va très bien. Et donc, ça nous permet donc de voir une image, comme vous pouvez voir, qui est dynamique et en direct. On voit bien le mouvement. Ce qui est de la méthode, je vais laisser mieux. Donc pour la méthode, les deux, on a utilisé une revue de littérature. Moi, j'ai sélectionné 18 articles sur le moteur de recherche PubMed. Et ensuite de ça, j'ai fait une synthèse de tous mes résultats. J'ai extrait des graphiques pour me faire ma propre idée sur le sujet. Et en parallèle, j'ai aussi récolté 3 témoignages de médecins actifs dans le préhospitalier genevois. Pour ce qui est de ma méthode, j'ai donc essayer d'identifier des protocoles d'ultrasonographie. Donc le but, c'était d'avoir vraiment quelque chose qui est protocolé. On viendra un peu à ça à la fin au niveau de la discussion. Il faut que ce soit quelque chose qui est donc un objectif qui soit défini avec un nombre de fenêtres déterminées ou un algorithme. Donc c'était les critères un petit peu de recherche. Ça donne ce flowchart qui est juste derrière moi. Il y a, au final, on va regarder après le nombre d'études qui ont été incluses. Il y a une fois que ces articles, ces protocoles ont été identifiés, il y a une autre recherche qui a été faite après coup pour voir quelles étaient un petit peu les implications pour ces différents protocoles dans le préhospitalier ou en hospitalier. Et puis on verra pour chaque protocole un petit peu les études annexes qui sont trouvées par rapport à ça. Du coup, on va y aller directement. J'ai pu identifier 5 protocoles différents qui vont vraiment dans tous les milieux de type de patients qu'on peut rencontrer en préhospitalier, que ce soit des patients qui subissent des traumas, comme en parler Mickey, des problèmes pulmonaires, des problèmes de dyspnée, tout ce qui est arrêt cardiaque, état de choc, et puis encore on parlera aussi d'une procédure de soins, une technique de soins qui est assistée par une ultrasonographie. D'abord, on va commencer par le FAST, parce que c'est le plus ancien des protocoles, le plus connu aussi probablement, parce qu'il y a eu déjà un travail de diplôme il y a 2 ans, celui de Basile Berger qui parle du FAST. L'objectif de ce protocole, c'est de déterminer la présence de fluide libre dans l'abdomen. On n'utilise pas le terme de sang parce que ce n'est pas forcément du sang qu'on va observer. Nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt du sang, mais en tout cas, on peut déterminer s'il y a du fluide dans l'abdomen. C'est un test qui a une sensibilité spécificité qui est assez élevée compte tenu de l'examen qu'on va réaliser. Les études qui sont sur la droite de l'écran, c'est, comme j'ai mentionné avant, des études annexes. Il y a souvent la question de est-ce que c'est pertinent de réaliser un examen échographique alors qu'on a un patient qui est traumatisé, potentiellement polytraumatisé, sachant qu'on essaie d'arriver le plus rapidement possible à l'hôpital, le plus rapidement possible au bloc.
Il y a une étude qui a été donc réalisée en 2020 pour essayer d'évaluer si le fait que l'ambulance soit en mouvement impacte la réalisation de cet examen. Le seul résultat que je vous ai mentionné ici, qui est le temps de réalisation, c'est le seul qui n'était pas statistiquement significatif. Pourquoi je l'ai mis ici ? Parce que tout ce qui était acquisition de l'image, interprétation de l'image, c'était similaire, que l'ambulance soit en mouvement ou pas. Donc pour moi, ça ne fait pas tellement de sens. Par contre, il faut réaliser que même si l'ambulance est en mouvement et que ça rallonge un petit peu le temps de réalisation de cet examen, ça reste 1 minute 30 de réalisation en moyenne. 1 minute 30 dans une prise en charge, on peut dire que c'est trop long, on peut dire que voilà, il faut quand même réaliser que c'est quelque chose qui est assez rapide. Surtout quand on met ça en relation avec deux études, une qui a été réalisée en Allemagne et une en Italie, où lorsqu'un FAST positif était réalisé en préhospitalier, on avait entre 15 et 33 minutes de temps de prise en charge hospitalière en moins avant d'accéder au bloc. Donc peut-être potentiellement 1 minute 30 de plus en préhospitalier et réduire le temps avant que le patient voie un chirurgien. Il y a aussi le concept de pouvoir déclencher un protocole d'hémorragie massive depuis le préhospitalier, mais ça, de nouveau, on en reparlera un petit peu dans la discussion, c'est quelque chose qui nécessite de mettre d'autres choses en place. Maintenant qu'on quitte le monde du trauma, on a d'autres types d'états de choc, il n'y a pas que les polytraumatisés qui sont en état de choc. Le protocole Rush, qui permet, alors c'est un protocole qui est particulièrement long, il est à peu près une dizaine de minutes de réalisation quand c'est un utilisateur qui est expérimenté. Il y a la possibilité d'utiliser un algorithme, comme vous voyez à l'écran, qui permet de réduire le temps de réalisation. C'est un protocole qui a une forte spécificité pour déterminer le type d'état de choc. Donc ça a un impact aussi sur nos patients. On ne prend pas en charge de la même façon quelqu'un qui a un état de choc cardiogénique ou obstructif, ou même distributif, etc. En plus de ça, ce protocole il a l'avantage de donner vraiment une image d'ensemble du patient. On va pouvoir voir donc s'il y a un FAST qui est inclus à l'intérieur, donc on va pouvoir voir s'il y a du flux libre dans l'abdomen, s'il y a un anévrisme aortique, un pneumothorax, et donc ça nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce patient et de déterminer quelles sont les menaces vitales qu'il pourrait rencontrer. Le troisième protocole qui a été sélectionné, il est réalisé pour tout ce qui est des arrêts cardio-respiratoires. C'est quelque chose qui est très controversé, même encore en ce moment, l'utilisation de l'ultrason dans le cas des arrêts cardiaques, parce qu'il y a eu pas mal d'études qui ont été réalisées où ça retarde la prise en charge optimale du patient, avec des temps de pause qui sont allongés, parfois jusqu'à 30 secondes de temps de pause d'interruption de compression. Il y a une étude relativement récente de 2022 qui est intéressante parce qu'elle est réalisée sur des ambulanciers, sur des vrais patients en arrêt cardio-respiratoire, où justement ils ont tenté d'évaluer sur des ambulanciers qui sont bien drillés, bien formés à cette technique, de savoir s'ils arrivaient à maintenir leur adhérence au standard. En l'occurrence, c'était le cas, ils avaient 100% d'adrénaline qui était donnée dans les temps, au même délai que s'ils n'avaient pas utilisé l'ultrason, 100% de mise en place de TCO2, 94,7% des pauses qui sont dans les délais, largement en dessous de 10 secondes. Donc c'est juste une question d'être drillé correctement, d'avoir une bonne formation. Et ça permet d'avoir vraiment un impact après sur la prise en charge. Ça permet après aussi de modifier le traitement qu'on va donner aux patients. Cette étude elle est faite en Allemagne, où en l'occurrence c'est un SMUR qui est présent. Donc effectivement ça change aussi le type de modification de traitement qu'on peut donner par rapport aux délégations qu'on a en tant qu'ambulancier. Mais il y a quand même 78% des cas où... on va changer la prise en charge du patient par rapport à l'algorithme standard de réanimation. A savoir que la majorité de ces modifications ont lieu chez des patients qui sont en AESP, donc activité électrique santé, et puis c'est chez ces personnes-là, qui a le plus d'impact, parce que c'est comme on a une dissociation électrique et mécanique, au final les patchs qu'on a et l'information qu'on a sur le CG est souvent peu efficace. Puis sur la gauche, vous avez une petite image d'image qu'on va obtenir lorsqu'on réalise une échographie pendant un arrêt cardio-respiratoire. Et puis pour presque terminer, on va parler donc d'un geste technique qui est assisté par l'ultrason, en l'occurrence la pose de cathéter veineux périphérique. On sait qu'en préhospitalier, on est vraiment dans des conditions qui ne sont pas optimales pour poser des CVP.
d'autant plus avec des patients qui sont gravement malades. Souvent, on a la possibilité de poser une intra-osseuse. Chez un patient qui est conscient, c'est clairement pas optimal. Ça reste quelque chose qui est très invasif. Le fait d'avoir un ultrason à l'intérieur de l'ambulance permettrait d'avoir un bridge un petit peu entre une pose de CVP standard et une intra-osseuse. Ça diminue pas le temps de pose. Donc on va, de toute façon, si c'est quelqu'un qui est difficile à piquer, prendre du temps pour le piquer. Mais ça permet de réussir le premier essai quand même avec un odds ratio entre 2,42 et 3,96. C'est deux assez grosses études qui ont été faites en 2013 et en 2015. Donc voilà, quand c'est crucial d'avoir un accès veineux, ça peut être pas mal d'avoir un petit coup de main, un petit coup de pouce dans ce genre de moment. Je termine avec le dernier protocole qui parle des dyspnées, donc le protocole Blue. C'est un protocole qui va permettre de déterminer la cause d'une dyspnée entre une embolie pulmonaire, une pneumonie, un OAP, donc un œdème aigu du poumon, un patient qui aurait soit un BPCO, soit de l'asthme, et puis un pneumothorax. Mickey va vous parler plus précisément de tout ce qui est OAP. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce protocole, il permet quand même de modifier le traitement, sachant que les éléments cliniques qu'on a chez ces patients quand ils sont dyspnéiques, souvent que ça arrive parfois qu'on ait des patients qui soient polymorbides, en plus c'est difficile de différencier réellement la cause de la dyspnée, et puis ça nous fait parfois initier des traitements qui peuvent être délétères pour le patient. On parle de l'ASIX ou de la mise en place d'une CPAP. En hospitalier, c'est aussi un outil qui peut être utilisé parce que ça permet de diminuer le temps, le délai de prise en charge avant qu'on commence à initier le traitement, parce qu'elle nous donne vraiment très rapidement une image claire de ce qui se passe dans le poumon du patient et si c'est la cause principale de la dyspnée. Mais je vais laisser Mickey vous parler de l'OAP. Très bien. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon travail. Donc, finalement, c'était la plus-value de l'échographie pulmonaire pour le diagnostic de l'OAP. Donc, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement, est-ce que les tests qu'on a de diagnostic actuel dans nos ambulances et avec nos connaissances, ils sont-ils pas suffisants ? Donc, sans échographie. J'ai trouvé pour ça une étude australienne qui est sortie en 2013. Qui en fait permettait de savoir si le diagnostic en préhospitalier posé par les ambulanciers concordait avec le diagnostic posé par les urgences par la suite, donc que en termes d'OAP. Et finalement, on voit que la sensibilité était de 29%. Il y avait au total 631 OAP avérés aux urgences et au final, il y en avait 186 qui étaient diagnostiqués correctement en préhospitalier. Pour les 445 autres, c'était principalement des problèmes autres, problèmes respiratoires, c'est pas spécifié lesquels, et des douleurs thoraciques. L'autre chiffre qui était intéressant, c'est la valeur prédictive positive, et on voit qu'elle est à 51,5%, donc au total, il y avait 458 patients qui étaient prédiagnostiqués OAP en préhospitalier, et finalement, un peu plus que la moitié, donc 236, avaient réellement un OAP. On peut imaginer que les ambulanciers n'étaient pas forcément face à des signes très spécifiques d'OAP, et qu'ils n'ont pas pu du coup les classer forcément comme OAP. Maintenant, je vais comparer un petit peu avec la performance de diagnostic de l'OAP avec une échographie. Pour ça, j'ai fait une synthèse de plusieurs études. On voit que le premier chiffre, donc c'est la sensibilité, il est à de 91,3%, avec une marge entre 80 et 97%. Et comparé à l'examen clinique en hospitalier, on est à un petit peu moins que 78%. Pour ce qui est de la spécificité, on voit qu'on est à 86,4%, comparé à l'hospitalier à 80,8%. Après, il faut faire très attention avec ces chiffres parce qu'ils sont vraiment opérateurs dépendants. Ça va dépendre de l'expérience de chacun à l'utilisation de l'échographie. Ensuite de ça, la marge d'erreur, elle peut être due au fait qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent créer le même profil à l'échographie, donc le profil B+. On peut penser à la pneumonie. Après, avec la pneumonie, le caractère il sera plutôt localisé au vu des foyers pulmonaires. Et sinon, à part la pneumonie, il y a aussi des maladies interstitielles qui peuvent laisser des lignes B résiduelles. Donc finalement, on voit que le profil B à l'échographie est assez sensible et spécifique pour diagnostiquer les OAP. Et en plus de ça, on voit que l'absence d'un profil B+, rend le diagnostic d'OAP très peu probable avec une valeur prédictive négative de 96,7%. Ensuite, c'est important de parler de la formation, parce qu'imaginez-vous devoir avoir une échographie dans vos ambulances et devoir s'en servir, devoir se former, ça paraît un enjeu assez compliqué. Après, l'avantage avec l'échographie pulmonaire, c'est que c'est une des types d'échographie qui est le plus simple d'apprentissage comparé à d'autres types d'échographie, le FAST ou d'autres types d'échographie. Pour ça aussi, j'ai fait une synthèse de plusieurs études. Et en moyenne, on voit qu'avec 85 minutes de théorie et quelques heures de pratique, on arrive à augmenter les scores de 26% entre le pré-test, donc avant connaissance ou du moins avec très peu de connaissances,
et avec un minimum de théorie et de pratique, on voit qu'on arrive quand même à augmenter les résultats. Après, on pourrait se dire que... Pardon. On voit qu'avec un peu d'investissement, on arrive à avoir des connaissances suffisantes pour utiliser l'échographie. Après, c'est le transfert des compétences en hôpital, en pré-hosp qui risque d'être compliqué. Je pense par exemple à la supervision, mais on pourrait se dire que même si on n'a pas de superviseur direct avec nous qui peut nous dire si oui ou non notre lecture est correcte, après on pourrait se dire qu'on pourrait demander à l'hôpital un avis comme on le ferait par exemple pour un ECG, ou si on n'a pas le temps pour X ou Y raison de demander ensuite au médecin répondant une supervision sur l'échographie qu'on vient de réaliser. Le dernier point que je vais aborder, c'est l'impact en termes de temps de mission. Pour ça, j'ai trouvé une étude qui est sortie en 2018 qui comparait en fait les temps de prise en charge par NACA avec et sans échographie. On voit que finalement, les temps de mission, ils ne sont pas franchement augmentés. Ça va de 24 secondes, 4 minutes 2, 18 secondes, un peu plus pour les NACA 6 avec 6 minutes. Donc les différences, elles ne sont pas franchement significatives, mais on voit qu'avec d'autres études qui ont été réalisées, que vous pouvez trouver dans mon travail, le temps nécessaire pour réaliser une échographie se situe entre 1 à 10 minutes. Et forcément, pour les novices, ça va plutôt se situer à 10 minutes. Et plus on est expérimenté, plus on peut réduire ce temps. Donc forcément que le temps va s'allonger avec la mise en place d'un outil supplémentaire. Après, il faudrait différencier les missions stables, les missions instables. Et puis éventuellement envisager de réaliser une échographie uniquement si ça ne retarde pas le transport ni le traitement. Et que si vraiment on a un doute sur le diagnostic. Finalement, le choix va surtout dépendre de la symptomatologie du patient, de l'expérience de l'opérateur. Et si on va aller plus loin, éventuellement faire un protocole qui définit clairement l'indication à l'utilisation d'un outil. La dernière question que je vais soulever, c'est est-ce qu'à Genève, ce serait vraiment pertinent par rapport à d'autres cantons où les distances de trajet sont beaucoup plus longues. Donc effectivement, à Genève, on peut se dire que le temps de trajet sont trop courts pour que ça ait un impact significatif. Mais dans d'autres cantons, avoir une échographie qui va permettre d'éclaircir le diagnostic et de pouvoir entamer le traitement adéquat et d'engager les moyens supplémentaires nécessaires pour le traitement, ça paraît assez acceptable. Pour terminer, on va discuter un petit peu de problématiques qui sont liées à l'échographie. Ça fera office de conclusion. Comme l'a dit Mickey, il y a beaucoup de variations d'un protocole à l'autre, de compétences, de moyens de formation et de temps de réalisation. Donc il s'agit pour le service d'ambulance ou les ambulanciers concernés d'utiliser le protocole qui est adapté à leurs besoins, de trouver quel est le patient cible pour lequel ils doivent former leur ambulancier, que ce soit pulmonaire ou que ce soit un FAST ou encore d'autres protocoles. Il y a aussi une autre problématique qui est liée au fait que plus on démocratise un outil, plus le nombre d'utilisateurs est grand, plus on risque de diminuer la qualité des examens qui sont réalisés. Actuellement, c'est quand même quelque chose d'assez niche. Il y a peu de personnes qui le font. Et c'est des gens qui sont passionnés, qui passent leur temps à faire des examens, etc., qui se forment là-dessus spontanément. Du coup, des personnes qui seront peut-être un petit peu moins intéressées par le sujet, elles auront peut-être des performances moins bonnes. Et puis, ça va être très complexe de former tous les ambulanciers à faire ceci. Donc, ça soulève un peu la question d'avoir un cursus post-grad et d'avoir un certain nombre d'ambulanciers qui sont vraiment motivés et dédiés à ça pour le réaliser. Il y a aussi tout l'aspect des changements systémiques. Quand j'ai parlé du FAST et puis de diminution de temps de prise en charge, ça prend en compte le fait qu'il y a la possibilité d'ouvrir des filières depuis le préhospitalier, que l'hôpital place de la confiance aussi dans les ambulanciers, dans leur jugement clinique. Ça, actuellement, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place. Ça permet aussi le suivi des examens. Quand on fait une image et qu'on l'enregistre sur notre appareil, on peut le partager après dans la fiche d'intervention avec l'hospitalier. Et puis eux peuvent aussi prendre plus de confiance dans les examens qu'on réalise, les choix qu'on prend. Et puis donc ça permet d'avoir un cercle vertueux pour la mise en place de filières et puis plus d'autonomie aussi de la part des ambulanciers. On peut se questionner de la place, on parlait du cursus post-grad avant, pardon, mais la place aussi dans le cursus de base de l'ambulancier ES. À mon avis personnel, il y a deux points où ça peut être pertinent. Déjà pour tout ce qui est anatomie, physiologie, pouvoir visualiser des structures sur une personne comme ça directement et voir le mouvement, le côté dynamique
des organes vitaux. C'est quelque chose qui est vraiment pertinent pour un étudiant qui voit des livres, qui voit des squelettes en 3D comme ça. Pouvoir le voir sur un vrai être humain, le voir en direct, c'est quelque chose qui est pertinent. Et puis, il y a aussi l'aspect d'être introduit à le fait de faire de l'échographie en préhospitalier, parce que même si pour l'instant les ambulanciers ne le font pas, il y a quand même certains cantons, certains endroits où le SMUR peut le faire, ou en tout cas il a les capacités de le faire. Et être confronté à cette technologie déjà à l'école, ça permet de se préparer au fait que proposer des fois aux médecins, si on trouve que c'est pertinent, ou alors comprendre ce qu'il est en train de faire au moment où il va réaliser l'examen. Il y a aussi une chose qui n'est pas sur la slide, mais qui est très importante au niveau des limitations. Il y a très peu d'études qui sont réalisées sur le sujet, c'est en train un peu de s'accélérer maintenant. Très peu d'études, encore moins d'études en préhospitalier. Et je ne parle même pas de celles qui sont réalisées par des ambulanciers, parce qu'actuellement, il n'y en a pas, en tout cas sur le sujet. Je vais prêcher un peu à ma paroisse maintenant, mais je pense que c'est important, surtout pour les étudiants qui sont ici aujourd'hui, de réaliser que le moyen de faire changer les choses, c'est d'écouter les cours de méthodologie de Florian, déjà. On va commencer par là. Et ensuite, de s'impliquer un petit peu là-dedans aussi, parce que c'est comme ça que les choses vont changer. Si on attend que l'hospitalier et que, éventuellement, si on a de la chance, des médecins qui font du SMUR, mais mettre des choses en place, au final, on n'aura pas la possibilité de prendre en main aussi nos propres professions. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire une petite démonstration. Je vais essayer parce que ça va être un petit peu un challenge. Déjà parce que je n'ai pas de formation propre en ultrason. Voilà, ça risque d'être un petit peu comme ça. Et puis, en plus, on a été rejoint par des médecins donc, qui vont pouvoir me dire que je ne fais pas correctement les choses en live. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran ou pas. C'est une image... Non, pas trop. Moi, je ne me rends pas compte, j'ai le dos tourné, donc il va falloir que vous me disiez pour moi. Ah, c'est sur le petit écran ici. Il faut regarder en live, en fait, sinon vous n'avez pas la possibilité de voir. Tu arrives à voir. Voilà. Si je fais comme ça, ça va ? On peut voir que j'ai juste posé la sonde sur le thorax de Luc. Et puis on peut déjà visualiser son poumon. Mickey n'a pas donné d'exemple sur sa présentation de photos d'ultrasons, mais là on peut bien. Si vous êtes assez proche de l'écran, ceux qui ont la chance d'être au premier rang ou dans les premiers rangs, ils peuvent voir qu'on voit bien la plèvre de Luc qui bouge à chaque respiration. Ce qui montre bien qu'il n'a pas de pneumothorax et puis il a des lignes A. C'est un bon signe que son poumon va plutôt bien, ce qui est rassurant parce qu'il est jeune et en bonne santé. Juste. Tu vois quelque chose ? Merci. Alors, pour ceux qui sont en live, vous allez pouvoir voir le cœur de Luc. Vous allez avoir la chance de regarder sur Facebook. Mais on voit en tout cas bien le ventricule gauche. Pardon. Et puis un petit peu en dessous, si vous voyez les oreillettes et les valves qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà. C'est pas très très de bonne qualité parce que c'est moi qui suis pas très très doué et puis qu'on est dans des conditions qui sont pas optimales, mais après on peut s'imaginer qu'en ambulance on n'est pas dans des conditions qui sont optimales non plus. Donc ça sera un petit peu à ça que ça ressemble. Puis ça permet quand même de bien voir l'activité cardiaque. Pardon. Une dernière chose qu'on peut observer, c'est ce qui est bien, c'est que je dois deviner, c'est l'aorte de Luc. Voilà. Donc il a de la chance, il n'a pas d'anévrisme aortique. On la voit qui pulse là au milieu. Je ne sais pas si vous, ceux qui nous ont de la chance de voir, on voit un petit cercle au milieu, un peu plus foncé. Voilà, là où il y a le doigt de Laurent qui pulse, c'est l'aorte. Donc on peut vraiment la suivre le long de l'abdomen comme ça. Hop. Donc voilà, le but de cette démonstration, c'était de montrer que assez rapidement, on peut quand même avoir une vue sur les organes vitaux du patient et donc prendre des décisions par rapport à ça. Évidemment, les protocoles ils sont un peu plus détaillés, plus précis que ça. Là, c'est vraiment juste une démonstration rapide et simple pour la présentation. Mais... Et Luc, je vais te désinfecter. Bravo ! Un petit peu les remerciements quand même. Remercier mon tuteur de travail du diplôme, Florian Zen. Remercier Lucie Rosset et Livine Cura pour avoir relu et m'avoir assisté dans la rédaction de ce travail de diplôme.
Merci à Luc, Ben, Noé et tous les autres qui se sont portés volontaires pour que servir de cobaye quand je m'entraînais au début. Voilà. Et moi, je voulais remercier aussi Laurent pour m'avoir suivi tout au long de ce travail et puis bien sûr aux médecins aussi qui m'ont répondu à mes questions. Et puis Pierre pour avoir fait cette jolie présentation avec toi. Des questions. Juste une seule question pour ma part de la carrière, comment ça fait en fait, vous avez parlé d'une prochaine Alors, celui-ci, exactement, il est 2000... Ouais, alors la question, pardon. Combien est-ce que ça coûterait l'appareil complet celui-ci en particulier, il est 2500 francs neuf plus un abonnement, un service en ligne où on peut avoir tout qui est uploadé sur Internet pour y accéder après coup, qui est de 400 francs par an aussi. Mais il me semble qu'on parlait de ça avec Mickey, il y avait des sondes jusqu'à 4000 francs à peu près. Entre 2000 et 4000 francs. Sans la formation. D'autres ? Le SMUR au fond, il y a des questions ? Pas de questions ? Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.